toi. Ouais, alors, ça travaille? Bah écoute, je vais te montrer un peu ce que j'arrive à faire maintenant avec ça. Ok. Sébastien se déplace en fauteuil, il n'a plus l'usage de ses mains et il le sait, dans quelques mois, il aura perdu la parole. Pour ne pas se retrouver enfermé dans son propre corps, il a appris à utiliser l'ordinateur à commande oculaire. Lire, écrire, jouer, faire ses courses ou écouter de la musique, tout est possible en un clin d'œil. À faire un tableau, du coup, ouais, avec le regard. J'ai fait tout à l'œil, là, le tableau. Ok, c'est super. Ouais, je peux vraiment rester connecté au monde, aux autres, avoir une vie sociale. Si je n'avais pas ma commande oculaire, je serais allongé toute la journée à regarder la télévision. Voilà, ça, je pourrais plus faire un tas de choses que j'aime faire. C'est vraiment très important, c'est vraiment primordial, une commande oculaire dans cette maladie-là. Et puis l'angoisse aussi de se dire, ben, quand il ne parlera plus, comment on va faire pour comprendre ce qu'il veut. Donc avant la commande oculaire, on s'était déjà mis dans une... dans cette sphère-là, il me disait, écoute, je te parlerai, je cliquerai une fois de l'œil et ça voudra dire ça. Et là, voilà, maintenant, il n'y a plus de souci avec la commande oculaire. Il pourra, s'il veut que je lui gratte la tête ou que je lui gratte l'œil, ou voilà, il pourra nous le dire, parce que c'est terrible, cet emprisonnement que le malade a quand il n'a plus la parole. Mais cette technologie a un coût. Et pour l'instant, la prise en charge est limitée. Autour de Sébastien, il a fallu une grosse mobilisation associative pour l'aider à financer l'équipement. C'était un projet à 9 000 euros. Sur le projet à 9 000 euros, Sébastien a bénéficié de la prestation de compensation du handicap à hauteur de 3 960 euros. Donc il y avait un reste à charge assez conséquent pour lui. Aujourd'hui, Sébastien et son association se battent pour mieux faire connaître la maladie, faire avancer la recherche et améliorer la prise en charge des équipements indispensables pour rester au monde.